Comment on a fallu pour pas sur Instagram de jeunes à studio? Pourquoi fallu pour pas de jeunes à studio? Étant donné aux un album sur le terrain, c'est même pas 6 mois. Est-ce que déjà dans la tête de Fally Poupa, il s'est dit l'album n'a pas vraiment réussi comme je m'attendais? Je ne sais pas, c'est une supposition. Parce que Fally Poupa déjà dans le studio, Fally Poupa déjà nous propose de nous dire déjà, attendez, il y a du lourd, il y a de machin. Déjà, il y a Fally Poupa qui a l'album sur le terrain, elle s'est surtout s'attendre à quelque chose. Ça peut nous cliquer dans la tête, nous dire que Fally Poupa a eu un rendement avec les élatins. Un salut à vous chers internautes, chers abonnés aussi, que nos frères de la diaspora. Merci beaucoup à vous d'avoir choisi cette émission Buzz avec 2M. Une émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur Dan Mosengo, autrement dit Kabila. Le Kabila lit la presse, on va vraiment en parler de ce nom Kabila qui fait buzz au niveau de l'internet, on va en parler. Mais aujourd'hui, Dan Mosengo, votre humble serviteur, a choisi un sujet vraiment tellement joli qu'on va en parler de ça dans cette émission. Cette émission Buzz avec 2M, une émission qui sera toujours présentée par Dan Mosengo. L'émission Buzz, c'est une émission qui parle de l'actualité. Tout ce qui fait le buzz dans le monde, on va en parler dans cette émission Buzz avec 2M. Vous le savez très bien, Fally Poupa, c'est un buzzer. Comme je dis, un buzzer, c'est un buzzer, mais toi, ça la buzz fort. Hein? Ils vont voir les embargos, c'est bien signé Dan Mosengo, c'est un buzzer. Ça la vraiment actualité. On va parler de l'album hein, Turcos 2. Hein, le 18 décembre 2020, Fally Poupa a sorti l'opus Turcos 2. Vous le savez très bien, il y avait un Turcos 1, maintenant il y a un Turcos 2. On va comparer Turcos 1, Turcos 2. Comment ça se passe? Comment ça se passe du niveau vie? Ça se passe comment avec le fan de Fally Poupa, les amoureux de la bonne musique? Hein? Comment ils ont accueilli l'album Turcos 2 de Fally Poupa? Dans cet album, il y a la chanson Un coup, il y a l'Ikolo, il y a Madani, il y a tellement de chansons, de très belles morceaux. On va en parler ici. Comment ça se passe? Quels sont les points négatifs et les points positifs de l'album Turcos? Numéro 1, il y a un acteur à Kanyang, à BDTV. Turcos, oh, Fala Lovara, Turcos, Papa BDTV. L'excellence, c'est qui produit l'excellence, c'est Papi Abé, dit mon chef, ma tonne Domingue Inayo, coup de chapeau à mon chef. Je tiens vraiment à lui remercier par rapport aux moyens financiers ainsi qu'à moral. Il nous dit toujours, Dan, nous sommes à la focus, Namoussala. Maintenant, parlons de l'album Turcos 2 de Fally Poupa, qui est le sujet de notre émission. Vous le savez très bien, Fally Poupa a entamé une carrière, comment dirais-je, internationale. Je ne sais pas, ça fait aussi débat, histoire, carrière internationale, album international, gospel, machin, ça fait débat. On va aussi parler de ça dans cette émission. Mais Fally Poupa il y a un certain moment, Fally Poupa a lâché sa carrière solo, certes, sa carrière internationale aussi. Abimsa album Alibousso Turcos 1, Ayobimsa deuxième album Turcos 2. Turcos 2 sort Ebimia le 18 décembre 2020. Le 18 décembre 2020, Isaki sorti album Belé. Il y avait Ritier Watanabe, Abimsa le 18 décembre. Il y avait aussi Okoyo Kelok de Ferrego, la Jésus de Nyon, Senika Boronina, la Pesimbo Tebisika Azali. Il y a pas Abimsa le 18 décembre. Et ça l'a déjà buzz, et ça l'a polémique, Makashi par rapport à la date, il y a 18 décembre. Mais l'album Turcos 2 de Fally Poupa. Déjà, félicitations à Fally Poupa, 25 millions avec la chanson Un coup, featuring avec Dadju, Ezo qui est vraiment Libosso. On va essayer d'analyser cet album. On va aussi essayer de comparer l'album Turcos 1 et Turcos 2. Moi, je dirais, entre Turcos 1 et Turcos 2, il n'y a vraiment pas de similitude. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance. Étant donné qu'il y a déjà Fally Poupa, du côté instruit, du côté musical, Fally Poupa n'a pas vraiment voulu faire le copier-coller de l'album Turcos 1. Fally Poupa a vraiment créé d'autres horizons. Fally Poupa nous a donné une autre vision de la musique par rapport à la musique déjà qui est Fally Poupa fait des prix un beau temps. Fally Poupa a sali vraiment Makamu Moussouzou. A Kokanissi Balbom Mibale Wanate. On a sorti un Turcos 1 de Fally Poupa, garde un peu l'authenticité congolaise. Hein? Du côté authentique congolais, est-ce qu'elle est vraiment congolaise? Tu as tout sentir moi, Ndoulewa, moi, musique congolaise, c'est ça qui n'a qu'à dire. Mais dans Turcos 2, on a sorti vraiment Fally Poupa s'envoler. Quand il y a aigle. Moi je vis un Fally Poupa qui est vraiment de là, il y a autre manière quand ça Fally Poupa pourrait faire. Un petit bémol, moi on a remarqué dans un album, moi, je sens pas Fally vraiment. Je ne sens pas le Fally au mais ça n'est pas nous on a contrôle l'album, contrôle na Fally na Turcos 1. On sent que Fally a voulu faire autre chose, quelque part, pas vraiment maîtrisé.
Hein, Fali Poupa Aigle, King Aigle. Mais moi, j'ai senti que la chose n'était pas vraiment maîtrisée. L'album Tokos 1. Nzemboni ni Congolais ayimbati. Nzemboni ni au Congolais ayimbati. Tu y es, toi, n'a pas dit que si à moi. Toi, n'a pas dit que même pas bah quand ça et ça a succès bandit mais ça a succès à mort. On attendait mannequin parce que mannequin c'est qui na featuring Belé, il y avait Dadju dedans et plutôt il y avait Keblack dedans, il y avait Naza dedans, mais bandit mon roi si à moi ça la featuring na moutouté mais ça la buzz à mort. Bandit mon roi net bah Wizkid, on attendait déjà bandit mon roi ça la succès ma casse. Malheureusement la chanson n'a pas été clippée, mais la tour haute tout le monde il fallait na bandit mon roi tout zélec tout bandit qu'on s'attendre était à clipper et à clipper le roi bah pourquoi. On va d'abord critiquer la première chose des Alikoto niveau featuring. Lorsque tout le monde il fallait na Tokos 1 à celle featuring na Naza Keblack Wizkid, on attendait fallait pour pas na Tokos 2 aller à matin d'un cran. Ah, Matamo escalier, parce que déjà, la Tokos 1 est avec featuring avec R. Kelly. C'est vraiment un grand, il y a moi, le grand prêtre R. Kelly. La Tokos 2, on attendait, parce que le nom de Beyoncé était cité dedans, on attendait à Matan niveau featuring. Le loba te belé, bah, kokor loba, bémol, il y a carrière, il y a falité, parce que c'est plutôt qu'auto flatter. Moi, je dis des choses aux Congolais, ni on soit à l'obaka. C'est que les gens disent tout bas, moi, je les dis tout haut. Koto featuring, on attendait, fallait pour pas à Matan vraiment cran. Koto featuring, certes, tout le monde mat pour Koura, c'est une bonne chose. Mais tout le monde a Dadju aussi, ça va. Mais Dadju, c'est déjà du vie. C'est déjà du vie. Tout le monde a déjà fallu pour pas Dadju trouver l'amour. Fallu pour pas Dadju dans remix. C'est quoi encore la chanson? Remix, il y a Jaloux, j'espère. Jaloux, non, pas Jaloux. La chanson, le nom m'oublie. Jaloux, j'espère. Déjà, tout le monde a déjà fallu pour avec Dadju, trouver la moi, remix Dadju. Tout le monde a sous Dadju. On a senti un peu, c'est déjà vu, déjà entendu, déjà Toyoka. Mais il faut qu'on se le dise, c'est la chanson où ils allaient vraiment, et Koto vraiment vit. Ils allaient l'Ikolo, 25 millions si je m'abuse, 25 millions de vies, vraiment l'Ikolo. Même l'album de Fally Ipupa na banzembo ça clipé té koto vit vraiment ezotalama ezoyoka ezotalama vraiment. Mais koto featuring on attendait Fally Ipupa mata niveau azongi c'est le biso sousu Naza. Déjà Naza nzamba balimbisanga Naza ne plus le Naza otoy ba banda kala lelo Naza vraiment Naza na aza vraiment na besté. Déjà tout mon onda na Naza na trouvé la moi pe kaka tout mon onda Naza na mannequin ozongi c'est le biso sousu Naza. Déjà là on voit déjà koto featuring déjà tout mon que Fally a un peu baissé. Mais certes Mat Pokora c'est vraiment l'Ikolo, mais tout le bête sous nzembo ya Mat Pokora nzembo Mat Pokora Mat Pokora l'Ikolo, Fally Ipupa l'Ikolo, mais la chanson vraiment koto vie et puis si rendement tout bané qu'on s'attendrait parce que direct si on se souvient très bien nzembo le roi nzembo na Wizkid c'est un des moments sur qui clippé une erreur de la part de Fally Ipupa. Je sais pas pourquoi la chanson n'a pas été clippée, mais déjà une chanson au sur qui salamaka ingéza la vraiment na ba vie belé ingéza na buzz makasi déjà ça na buzz mais ingéza na ba vie makasi avec Mat Pokora aussi on attendait ezala na ba niveau l'Ikolo, on ne sait pas pourquoi avec Dadju et Zobetango kaka, mais Mat Pokora la chanson vraiment ezala si. Si je me souviens, il y a deux semaines, il y a Ndembo, il y a Inosbi, il y a la chanson de Inosbi, c'est encore quoi, la chanson de Inosbi, même, déjà, il est comment il va préprendre Ndembo, il y a 2,3 millions, il a fallu, c'est que 2,5 millions de vies, oui, bah préprendre, il y a Mat Pokora, déjà, rendement, Mat Pokora, il fallait pour pas, photos au-delà de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions, même à un mois, même en deux mois, en deux semaines. Déjà, côté vie, moi, je pense que c'est un échec featuring. Featuring Fally Ipupa Mat Pokora, eu d'échec. Koto, comment dirais-je? Koto featuring, on n'a pas vraiment vu Fally Ipupa à bas niveau. On s'attendait que Fally Ipupa, tout le monde ait na Tokos 2. Na Tokos 1, Ati Bar Likolo. Na Tokos 2, moi je pense que Akiti si Bar, moi mouké. Mais ce que j'aime dans cet album, c'est que c'est Moloura bah Amore. Moi je le dis, la meilleure chanson de l'album, c'est la chanson Amore de Fally Ipupa. Une très belle chanson, une très belle mélodie. Félicitations à Fally Ipupa. Koto vit Fally Ipupa ça toujours na barana yi, mais Koto vraiment featuring on a vu Fally Ipupa vraiment trop en bas. Koto nzembo na Mat Pokora, on attendait le clou du spectacle de l'album. Faut qu'on se le dise avec Dadju du vie, du Naza du vie. Mat Pokora on attendait qu'on va voir autre chose, on va sortir autre chose. Tout le monde a Koto vit vraiment l'Ikolo makasi, mais avec Mat Pokora moi je me dis ben moi l'album de Fally Ipupa Izali 1. Ma featuring est à niveau bis automano quand ils allaient de deux à la chanson avec Mat Pokora ils allaient un rendement automano qu'on s'attendrait même avec Wizkid
Je pas vraiment la précision ba vinanze mona whisky ce qui pense moi c'est qui clipper je pense qu'il n'est battre ba record belé koto YouTube mais avec Matt Pokora c'est vraiment un échec mais avec Fally Ipupa aussi vraiment album kitoko vraiment ba ndimo kitoko ma featuring on attendait plus que ça au Fally Ipupa à proposer biso je vais aussi parler de ça. Tout le monde a Fally Ipupa sur Instagram de jeunes à studio. Pourquoi Fally Ipupa de jeunes à studio étant donné aux un album sur le terrain, c'est même pas 6 mois. Est-ce que déjà dans la tête de Fally Ipupa il s'est dit l'album n'a pas vraiment réussi comme je m'attendais? Je sais pas, c'est une supposition. Parce que Fally Ipupa déjà dans le studio, Fally Ipupa déjà nous propose de nous dire déjà, attendez, il y a du lourd, il y a du machin. Déjà, il y a Fally Ipupa qui a l'album sur le terrain, elle s'est surtout s'attendre à quelque chose. Ça peut nous cliquer dans la tête, nous dire que Fally Ipupa a eu un rendement avec les élatés. Album, ils appellent moi mini échec, moi, je peux déjà directement dans le studio pour nous sortir quelque chose. Moi, je suis abonné de Fally Ipupa sur Instagram. Dans mon équipe, déjà Fally Ipupa a préparé le générique. Moi, on va pas tout dévoiler. On va aussi en parler de ça sur notre chaîne. Fally Ipupa déjà dans le studio. Pourquoi? On ne sait pas. On va vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui n'a pas vraiment tenu avec cet album Tokos 2. Et donc, on a fallu pour un album Isaiah Nassima à couper sa bise. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission qui est présentée toujours par Dan Mosengo, votre humble serviteur, autrement dit le Kabila de la presse. Merci aussi à mon équipe technique. Merci à mon chef. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous demande de vous abonner massivement car vous ne serez pas déçus à travers cette émission Buzz avec Dan Mosengo. À une prochaine émission. Merci beaucoup à vous tous. Ciao. Numéro 1, Akanyam, Abedi TV. Tokos, oh Falalo Wara, Tokos, Papa Abedi TV, Tokos.